À Besançon, certains passent sans même regarder les panneaux. Et pourtant, lorsque vous entrerez dans le centre-ville, il faudra être masqué. Madame la maire et monsieur le préfet s'étaient donné rendez-vous sur le pont battant pour annoncer la couleur. Le masque obligatoire, c'est à partir de demain, une date qui coïncide avec la fin des vacances. À Besançon, on a une dynamique tout à fait particulière au moment de la rentrée. Nous avons, et nous l'espérons bien, une vie active parce que les personnes viennent faire les courses de la rentrée. Et puis nous avons la vie étudiante aussi qui doit reprendre. Et bien sûr, la rentrée scolaire avec les enfants et les parents qui viennent aux écoles, etc. Ce qui provoque automatiquement des phénomènes de fréquentation plus intenses et plus concentrés. Ainsi, à partir de 11 ans, il faudra se munir d'un masque si l'on se déplace à pied. Dans les rues, il sera toujours possible de fumer ou de manger à condition de rester statique et d'être à plus d'un mètre des autres. Si ces conditions ne sont pas respectées, alors une sanction s'appliquera, 135 euros d'amende. Puisqu'il y a une règle, il faut qu'elle soit respectée par tous, notamment pour ceux qui font l'effort de la respecter. Je le disais tout à l'heure, porter un masque, ce n'est pas quelque chose que tout le monde le fait avec joie et bonheur. On le fait parce qu'évidemment, il faut se protéger, protéger les autres. Et donc, c'est normal qu'on puisse faire en sorte que chacun respecte la règle. Arpenter les rues avec un masque sur le visage, une décision très discutée par les principaux intéressés, les habitants. Je pense que c'est une bonne initiative parce que le virus il circule de plus en plus, donc c'est plutôt pas mal. Ouais. Je vois pas trop à quoi ça sert forcément à l'extérieur. Vu qu'on passe juste à côté des gens, on s'arrête pas en discutant à côté d'eux. Tout le monde est prévenu. Hein. Après, celui qui se fera prendre, il se fera prendre. Voilà. Si ça se trouve, moi, le premier, je me ferai peut-être avoir. Oui. Puis je dirais que c'est trop cher. Dès demain, donc, il faudra faire comme lui, sortir masqué dans les rues du centre-ville. Cette obligation s'appliquera jusqu'au 30 septembre et pourra être prolongée en fonction de l'épidémie.